Et bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons sur un jeu qui est interdit aux moins de 16 ans. Il s'agit de Postal, non pas Portal, Postal 2. Donc voilà, édité par Running with Scissor, un jeu assez célèbre. Assez célèbre, qui mélange un petit peu What the fuck, c'est un GTA-like. Avec les graphismes en moins bien sûr, un peu. C'est un petit peu le bon point noir du jeu, c'est le graphisme, mais sinon voilà. Alors attention, ça va peut-être sauter, je mets en plein écran. Voilà, ça a dû sauter une petite seconde, mais on est toujours là, on est toujours présent. Voilà, donc Postal, je disais, donc je ne recommande pas ces vidéos aux plus de 16 ans, hein, pour les raisons suivantes, violence, consommation de drogue dans le jeu. C'est essentiellement ça. Alors Running With, alors Postal, je suis désolé. Postal. J'avais joué à un pack avant qui comportait donc Postal normal, son extension Apocalypse Weekend et une troisième extension qui était plutôt creepy où on commençait dans un asile. Et en fait à la fin et après on se virait au FPS mais complètement chiant. Cette extension a disparu parce que je joue avec un autre pack de Postal. À la place on a en fait un peu comme une sorte de suite au vrai jeu, donc à Apocalypse Weekend, une vraie suite. Et également avec des références apparemment à ce qui s'est passé dans le film, car il existe un film Postal 2 que lui je recommande, qui est très marrant, qui est très marrant. Je veux dire, même si vous avez moins de 16 ans, je pense que vous pouvez le regarder. Wow. Bon, il y a des scènes quand même sexuellement explicites et de la violence, faut le dire, mais c'est drôle. C'est très drôle, le film est extrêmement drôle. Voilà, bon. Mais on va commencer le jeu, donc comment on va s'organiser? Je pense que je vais tourner par épisode un jour, parce qu'en fait, le jeu va se passer sur les 7 jours de la semaine. Donc on va commencer par Monday, Tuesday, Thursday. Voilà, hein, vous connaissez les jours de la semaine en anglais. Et donc eh ben, on va commencer. On va commencer. Normalement, j'ai pas besoin d'aller voir les options. Tout est parfaitement configuré, notamment en audio. Nickel. Je vérifie les contrôles. Ah, je m'en doutais. Z, S, Q et D. Bon, rapidement, donc les contrôles, je vais faire rapidement, donc clic droit, clic gauche, hop, Revue Siapon, on va changer, on va mettre... Hop. Le zoom in, on va faire comme dans les FPS normales, hop. Voilà, mais normalement, on n'a pas de sniper au premier, dans le premier... dans le premier volet. Bon, c'est bon. S'il y a d'autres problèmes, je verrai en cours de jeu. Hein. Game, donc ça on s'en fout, back. New game. Donc alors, on a A Week in Paradise, donc qui est le jeu de base qui était sorti où il y a. Ah non, 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 c'est. Bon. On a Postal 2 qui joue. Enfin, qui est le jeu de base. Qui comportait seulement les jours de lundi à vendredi. Puis on a eu Apocalypse Weekend qui rajoutait le samedi et le dimanche. Et résultat, on a le pack A Week in Paradise qui est le jeu complet en fait, du lundi jusqu'au dimanche. Voilà. Donc on va jouer à cette version. Et on joue en Too Easy. Alors normalement on est censé jouer en Average. Le jeu par défaut propose de jouer en Average. Je propose toujours mes jeux en facile, il me semble qu'en Liber Mode c'est vraiment trop facile, donc on va éviter quand même. Donc on va faire A Week in Paradise. Ok, donc là il nous rappelle les touches, rapidement. Quick Save avec F5 bien sûr. Utiliser un objet avec E. Kick avec A. Utiliser des SQD pour bouger. Jump avec espace, entrée c'est quoi? C'est use item, donc ça ok, et M la map.
On a R pour une zip. Il faut juste que je vérifie. Il faut pas appuyer sur K, il me semble. Crush, crush, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est crush. Bon, on va voir. Allez, on continue. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Ça fait extrêmement longtemps même que je n'ai pas joué. Ça bug un poil. Ok, pour les temps de chargement, ça bug un poil. Alors, le jeu est entièrement en anglais. Je suis désolé. Winning with scissors. Courir avec des ciseaux. Mais bien sûr, faites ça les enfants. D'ailleurs, si vous êtes un enfant, je vous conseille pas d'être ici. Hein. Ouais, c'est la joie. Vous voyez, les gens sont heureux à Paradise, hein. Il n'y a pas de soucis. Bon, il est à moitié beurré, hein. Il y a des chats dans la ville, hein. Vous voyez, c'est une ville tout à fait ce qu'il y a de plus banal, hein. Voilà, les gens se... Bon, les gens se battent, voilà, hein. Bon, la police fait son travail, quoi, voilà. On avait dit pas les mamans. Oh, bonjour, madame. Postal dude. Ah oui, le mec de la poste, c'est ça. Ça revient. Alors, le mec de la poste. Alors, c'est bizarre. Je me souviens plus dans le jeu s'il y a cette référence-là. Ou si pour la réédition, ils ont fait une allusion au film. Charms Dog. Alors l'épisode... Dans l'épisode 1 va être un peu plus long que les autres et après on sera quand même sur une durée normalement normale, entre guillemets. When you're done screwing around, I made a list of errands for you on the fridge. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. I'll put you on a damn list. Donc, c'est un peu la merde, hein. Notre nana est aimable comme une porte de prison. Voilà. Et... What the... ah, stupid dog. Et on s'est pissé dessus par le chien. Donc on a plus de lait, on a plus de pognon. Et on s'est pissé dessus par un chien dès le départ. Donc, de toute façon, nos objectifs... Donc de toute façon, nos objectifs vont être ratés, hein. Et en plus, on est rouquin. Donc, voilà, donc le paycheck, donc ça c'est l'argent. Voilà, alors on a le pick-up paycheck, donc ça c'est avoir un... donc récupérer le chèque, le déposer à la banque évidemment.
et aller chercher du lait. On peut faire le dans n'importe quel ordre que l'on veut. Alors, ici, on a une pipe à crack. Ici, on a une pelle. Alors, pour changer d'item, hein, j'ai dit que c'était... Alors, ça, c'est les items. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, on a 1 et 5. Qu'est-ce que c'est? 5, c'est... Ok. Donc, on a... Ok, d'accord. Ok, bêtement. Bon, pour le moment, si on va prendre la pelle. Comment je valide? Bon. Ah, ok, d'accord, avec un clic. Bon. Ah, je peux. Ah, bah oui, logique, oui. Ok, d'accord. Alors, juste on va visiter cette maison. Get out, you freak! Donc l'objectif c'est quand même de se prendre une arme, c'est le minimum. Donc là, je me souviens, il y a un taser. On est pas recherché par les flics. Ici, il y a un gilet pare-balles qui va être fort utile. Ok, alors R pour... Bon, le chien, on va le laisser peinard. Lui, on va... Voilà, on l'a... Alors, voilà, on l'a carrément décapité. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur lui? J'ai pas vu. Il avait un flingue, c'est bien ce qui me sort de... Avec 4 balles. Voilà, donc voilà, là, je vous annonce la couleur. Hein, on... Donc, attendez, que je dise pas de bêtises. Normalement, avec clic droit, je vise. Non, non, pas du tout. Bon, on va garder la sainte pelle. Bon, on a piqué un petit peu d'argent. On a 30 en argent. Donc pour le moment, on va faire ça. On va rentrer. Ah putain, les chiens. C'est les pires, les chiens. Alors normalement, pour pas être embêté, j'ai réduit un petit peu la quantité de flics qu'on peut avoir dans le jeu. Je l'ai mis à, il me semble, à 9 flics dans les environs. Ok, des donuts. Alors ça. Hop. Alors, bien sûr, on peut se voir. Hein. Je l'ai assez bien fait parce que les reflets sont gérés. Ça, faut l'avouer. Parfois relativement rare. Ok, j'ai pas vu que le chien avait atterri ici. Et on a encore du cash. Et là, on ressort. Bon. Le problème c'est que l'appel prend quand même pas mal de place. Alors là il y a un flic, on va éviter de chercher la merde. Et on va aller chercher la monnaie. Je crois qu'on pourrait essayer de se faire un flic. Là ici on va éviter d'y aller parce que je sais qu'il y a un chien et les chiens c'est chiant. Ça fait longtemps que j'ai joué au jeu mais je m'en souviens. Non, c'est juste la simple. Bonjour mademoiselle. Alors, chose marrant. Now the flowers will grow. Ça c'est dégueulasse.
On est d'accord que ça, c'est dégueulasse. Donc je peux pisser sur les gens. Sur les cadavres, sur tout ça. Ok, alors là, on va appuyer sur M pour la map. Je ne suis pas du tout au bon endroit, mais on va y aller. Ok, donc ça c'est la dernière. Merci, bonjour. Donc c'est Fire. Fire in the hole. Oh, il y a de la monnaie par là. Ok, c'est un... Ah bah, c'est la monnaie, je vous le dis, c'est Fire in the Hole, pour moi, je pensais que c'était un... Ok, c'est un mid... D'accord, je peux pas prendre le midi pack qui est là. Je vais essayer de déglinguer le cœur. Voilà, problème maintenant. Je suis très recherché. De revolver, alors on va juste se mettre un petit peu au calme. J'ai 11 balles de... Ok, on va prendre le pistolet. Et je vais juste attendre que mon indice de recherche ligne up. Ce que je veux, c'est vraiment être armé, parce que je sais que quand on va récupérer le lait, ça va être un petit peu la merde, en fait. En fait, je vous explique, enfin, si vous avez vu le film... Ah, ouais, le problème, c'est que... Alors... Ah, alors, le truc... Alors, le jeu est sorti avant le film. Donc, dans le film, déjà... Donc, le film avait déjà été spoilé par le jeu, mais le jeu était très peu célèbre. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire comme moi, c'est aller voir le film avant de jouer au jeu. Même si le jeu, bon, graphiquement, il est moins bien que le film, hein, logique, hein. Mais le film est très bien, et... Parce que sinon, ça va vous spoiler 2-3 éléments du film. Bon, alors, partant ça, je vais vous donner 3 secondes pour mettre la vidéo en pause et aller chercher, aller regarder le film. Ok, j'ai plus d'indice de recherche. Donc, dès que je vais sortir de cette porte, je vais spoiler à mort le film. Vous êtes prévenus. Donc je vous conseille d'arrêter la vidéo, aller voir le film et de revenir. Ok? Spoiler! Donc dans la... Dans le truc de lait, il y a des... Comment? Ouh! Ok. Il y a... une association... En fait, il y a Al-Qaïda. Il y a Al-Qaïda qui se cache... dans l'arrière-boutique du vendeur de lait. Enfin, dans l'épicerie, quoi. Le seul jeu où on peut pisser sur les flics, les mecs. Bon. on va quand même ranger ça. Hein. On va prendre la sainte peine. Ok, on va reprendre la map. Normalement c'est par là. Là. Bonjour monsieur l'agent. Alors, où? Ah d'accord, il faut que je change de map en fait, c'est ça. The yellow sign.
J'ai pas eu le temps de lire, Soldier. D'accord, l'autre zone, ok. Donc c'est ça, hein. Faut changer de zone. Ouais, on va changer de zone, ok. Donc petit chargement. Ça a l'air de faire un peu bugger fraps quand on change de zone, hein. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu. Auquel cas, je m'en excuse, c'est un défaut du jeu, hein. Le jeu a été développé un petit peu à l'arrache à l'époque. Même s'il a après été beaucoup amélioré, c'est surtout le film, hein, qui a amélioré le jeu. This is a sticker! Oh no, you are not gonna kill me, psycho boy. Take this. Voilà, alors là l'idée sera de se fourrer l'arme. Ah oui, c'est le prêtre lui en plus. Non? Ah non, c'est pas lui. Bon, l'idée c'est d'attendre que quelqu'un meure pour lui piquer son flingue. Voilà. Bon. Il est en fuite de toute façon, ça m'étonnerait qu'il est au top. Lui ça serait intéressant, vous voyez, qu'on le bute parce qu'il a quand même un fusil à pompe, mais en même temps c'est assez dangereux de s'y frotter. Alors ici, j'explore un petit peu, c'est aussi un jeu d'exploration, hein, postal. Parfois au détour d'une porte, on peut trouver des trucs assez sympas, assez marrants. Un petit easter egg ou... Voilà, voilà, par exemple ça. On peut trouver des fusils d'assaut. Et ça, c'est fort utile, les fusils d'assaut. Donc à savoir que cette première partie de postage, de toute façon, ne fait absolument pas peur. Samedi et dimanche de mémoire, ça devient un peu plus creepy. Devient clairement plus creepy. Déjà, la fin de Portal, le film... Ouh, il y a de l'argent là. La fin de Portal, le film, et la fin de Portal, le jeu, n'est pas la même. Il faut le savoir. Donc, je vais pas vous spoiler le jeu, mais le film, je vais vous spoiler. No, seriously, I wanna know. Donc à la fin du film, on fait exploser la pétasse commissaire de femme. Too easy. Mais pas à la fin du jeu. Alors là, on se tire. On se tire parce que ça va être la merde. Ouais, je me suis bien arrêté. Alors ça, ça a changé. Ça a changé et je suis dans un très très mauvais état. Now that's what I call welfare reform. Alors, si je me dis pas de bêtises, ah non, pour changer d'item. Non, c'est pas ça.
On va prendre ça. On va prendre ça parce que c'est ce qui est le plus efficace. Non, parce que dans le jeu postal c'est des femmes les. Alors que normalement dans le film c'est des hommes. Ah. Definitely need more of that. Ah, espèce de radical. Pimp. Crack cream. On va le prendre ça. Oups. Il y a un flingue là. Bon, on va utiliser pas mal les rifles. I'm a bigot. I kill races equally. Comment? Cocktail Molotov. C'est la vie. C'est la table. Ok. Il m'a assemblé vous. Ok, d'accord. Ok, ok. Des ciseaux. Alors, les ciseaux peuvent servir de shuriken. Ah, la fameuse salle de billard. Are you storing cadavers in here? Someone light a match. Wait, bad idea. That's the stuff. Pourquoi j'ai ça en main? J'ai plus mon rifle? Oh sérieux? Bah non, j'ai l'impression que je peux plus sélectionner. J'ai plus de balles dans mon rifle. Ok d'accord. Ben ce sera au shotgun, mais je n'ai que 4 balles. Il va falloir être précis. Je suis déjà passé par ici. Bon, je pense qu'il faut redescendre. Ah. Find more of that good stuff. Pour le moment, je vais juste garder quand même mon arme. Donc on l'a entendu, hein, ouais. I need to get up to the top floor. Le rideau est un sure descendu, donc on va reprendre la synthèse. Parce que le problème, c'est que si on sort armé, les flics vont nous tirer dessus. Bon, le paycheck, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est par là, hein. Donc, nouveau temps de chargement, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau de frappe. Ça aura duré déjà un petit bout de temps pour avoir le lait, mais je vous dis, c'est l'exploration au départ. Et si on fait pas d'exploration, on rate un tas de trucs dans le jeu. Hein. Clairement. Ah oui, alors ici, c'est le commissariat, donc faut éviter de faire les conneries. Un WS. Enfin, c'est le commissariat ou un truc genre commissariat. Alors... en fait là c'est le siège social de Running. Ah bah oui,
RWS et Running with Scissors. Bon, alors là, les mecs. Hein. Bah, parce que eux, ils vont faire chier. Salut, chaton. Alors, attendez, je peux dire cette bêtise. Donc, on a récupéré des cocktails Molotov. On a récupéré un cocktail Molotov. Ah oui, bon. C'est juste que... Parce que eux, après, ils vont faire chier, sinon. Vous voyez, ils sont tous armés, en plus. Slow roasted goodness. Bon, en plus, on récupère un tas de flingues. Ok, alors là, là-dedans par contre c'est un véritable labyrinthe. Donc il faut trouver... Donc déjà on va reprendre. Nothing personal, man, but you're fired. Voilà, on a le paycheck. Ah oui, alors non, ici c'est juste un assaut... Ok, voilà. Donc là, il y en a 3, mais voilà, bon, il y en a 6. Sinon, il y en aurait eu plus, il me semble. Oh, c'est bug. Donc ça, c'est le mec qui sera avec nous. Ça c'est le chat. Donc surtout il faut pas tirer sur nos gars. You probably not a nice person. Le jeu est assez cohérent sur le les tirs. Wouh, on a vu ta culotte. Donc ça en fait c'est les manifestants anti-jeux violents, hein, qui répondent par la violence bien sûr. C'est l'idiotie du truc, hein. Tiens, je suis jamais allé ici. C'est l'open space pour le développement. Ça c'est le planning agile. Ok, d'accord. Ouh, ça je veux. Ça je veux aussi. Ok. Derrière, j'ai dû rater des trucs en fait. Hein, pour la fois du jeu. Ok, Bali, je sais pas ce que c'est. Alors oui. You go, girl. Alors eux, ils sont un peu partout en ville. Donc ils vont nous chercher la merde. Et à la fin, en fait, on va voir toute la ville à dos. Parce que là, actuellement, ce sont des. Donc ce sont les associations anti-jeux violents. Mais à terme après il y aura je sais plus quel groupe. Il y aura un groupe un fan d'un. Le fan de l'acteur. Alors ouais. Là on est de retour chez les civils, donc il y a le...
Donc on peut se balader avec des armes contendantes tout à fait légalement. I'm calling the cop. Bah ouais, bah si tu veux, mais ils vont rien faire. Hein. Ok, on va aller à la banque. Résultat. D'accord, on est de retour ici. T'as de la chance qu'il y a les filles derrière toi. Alors, faut qu'on redescende. Faut qu'on retourne par là. Donc parfois, on a du mal à s'orienter. Hein. On a clairement du mal à s'orienter. Voilà. Definitely hazardous to my health. Les parents pour la décence. donc voilà, les protestants contre les Running with Scissors. Ah oui! Alors, comment on utilise un micro? Alors là, voilà, j'ai un chat qui sert de silencieux. Attendez, dans le miroir, ça doit être quoi ça? Ah, on voit pas le chat dans le miroir. Ah, dommage! Ah, on a atteint les limites du reflet. Allez, on va ranger ça. Mais dans le film, ils se servent de ça. Il hein. Au bout d'un moment, ils se servent d'un super moche angora comme de silencieux. Pour son flingue. C'est génial. Et il tire à travers le chat, mais le chat reste en vie. Mon gars, je viens de battre. J'ai buté le chien aussi. Bon, j'ai eu de la chance. Blackman.
Allez, on se tire. Alors, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas de dégâts de chute non plus dans le jeu. Mais je m'amuserai pas ici. Ok. Donc c'est derrière moi et il faut repasser par la load zone. Enfin, load zone, ouais. Ok. Mac. T'avais rien sur toi? T'es chier. Bon. Ici c'est le club. Ça vous voulez plus aller arriver. Putain. Bon, ok, alors. Objectif. Idiot. Alors, on peut couper ici normalement. Il me semble qu'on pouvait passer par le décor. Ouais, non, il y a des murs invisibles. Donc, aïe. Ah oui, les cactus. C'est vrai, j'avais oublié ça. J'avais oublié les cactus. Mais tant que j'y suis, qu'est-ce qu'il y a ici? Problème de protection des témoins ici. Il y a le FBI, je m'y frotte pas. Je m'en doutais que je me serais fait repérer en rentrant dans cette baraque. Attends juste que mon indice de recherche... Bon, ça, j'ai plus d'armes. J'ai plus de fusil d'assaut non plus. Ok, bon, j'ai plus que ça. Bon, mon indice de recherche est presque revenu à zéro. Sur la bonne route, c'est bon. That's what they all say.
C'est les protestants. Avec des t-shirts jaunes comme ça, c'est les protestants contre eux. Putain. Mais merde! Et les flics, ils sont jamais là quand il faut, quoi. Alors, si je me souviens bien, il y a quelque chose là. Hein. Ouais, c'est ce qui me semble. Et là-bas, il y a autre chose. Pas ici. C'est la dynamite. Alors, j'explique, il y a deux solutions. La première, c'est voilà, on attend que la file d'attente se termine et on suit, mais à la fin on se fait éject. Soit on va directement là-bas, il y a le coffre-fort, on se serre et on se barre. Le problème, c'est qu'on va avoir les flics au cul. Voilà, on les a déjà. Mission accomplished with extreme prejudice. Récupérer l'argent. Voilà. Alors, je suis désolé pour le son. Bon. On doit retourner à la maison. Et on peut y retourner par là. On rush? Allez, on rush. Normalement, près des zones comme ça de loading, on risque pas grand chose.
Je vais juste attendre que mon liste de recherche diminue. Bon, tour des armes. Ok, j'ai plus de shotgun non plus. Hein. Oh! J'ai pas vu ça. Ah d'accord, c'est ça, docteur. Sinon, Bali, c'est quoi? Ah ouais. On a quand même 350 en pognon également. Attendez, comment on change les items? Ah, comme ça, ok. C'est quoi ça? Oh, les stats! C'est nouveau ça? Ok, donc ça, on va utiliser. Alors ça, ça c'est une petite patraque. Ça va augmenter notre vie de 25%. Donc ça va nous donner 125 points de vie en fait. Et mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, on va être, en fait, on est dépendant direct et en fait, si on n'en consomme pas régulièrement, et bien en fait, on va perdre de la vie. Donc en fait, c'est pas mal en tant que heal sur le coup quoi. Bon. Mon analyse de recherche est terminée, je vais retourner à la maison. On va se recueillir encore par le port de prison qui est notre femme. Ah, on n'avait pas à faire le... D'accord, ok. Ah ouais, bah j'aurais dû directement y retourner en fait. Bon voilà, direct, elle nous traite de bon à rien.